Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, encore une fois en partenariat avec MakeDIY. Je vous mettrai le logo quelque part. Pour la Trimui Smart Pro. Comme vous voyez, elle existe en trois coloris. Moi, je l'ai ici. Alors, cette vidéo, je vais faire une partie comme la dernière fois sur la 35XX SP, c'est-à-dire que je vais vous montrer un peu les menus et tout, mais je vous incrusterai en même temps des captures sur les différentes consoles, parce que jouer en même temps c'est compliqué, puis à chaque fois je sais jamais trop quoi vous montrer sur le moment. Là au moins tout est fait d'avance, excusez-moi, encore les allergies, tout est fait d'avance, tout est capturé, je vous mettrai ça en même temps. On va parler de ce qu'elle peut faire, de ce qu'elle peut pas faire, de ce qu'elle fait un petit peu moins bien, et on s'arrêtera sur une petite fonction un peu bonus que j'ai trouvé assez appréciable sur ce modèle. Encore une fois, je remercie MakeDIY pour la confiance et pour l'envoi de la console. C'est pas la peine de me parler du niveau de jeu sur certaines captures, parce qu'elles sont faites, je regarde à travers le retour de la caméra, pas forcément en face de la console et tout, parce que je sais qu'une fois on m'a fait le reproche parce que je disais que la console marchait bien, que le jeu tournait bien. Et il y a quelqu'un qui est venu me dire, se faire étaler aussi vite à Street Fighter 2 et dire que la console marche bien, j'ai des doutes. Donc il y a des gens qui confondent votre niveau de jeu et comment fonctionne le jeu et la console, en fait. Alors qu'ils ne l'ont pas entre les mains. Et ça, c'est quelque chose qui m'énerve un peu. Et puis voilà, les conditions dans lesquelles on enregistre parfois et on filme sont pas les meilleures pour faire des performances. Et puis d'ailleurs, quand tu viens voir le test d'une console, tu viens pas voir une performance sur le jeu. Donc écoutez, on se retrouve tout de suite sur un autre point de vue pour parler de cette console. A tout de suite. Et donc, comme je le disais, on se retrouve sur le menu de cette Trimui Smart Pro. Donc on a un écran IPS de 4,96 pouces qui fait 1280 par 720. Alors, on en reparlera de cet écran parce qu'en termes de qualité, il est très très bien. Mais par rapport à ce que la console peut faire tourner en termes de hardware et tout, je comprends pas trop le choix de cet écran-là. On a ensuite un Allwinner A133P 4 cœurs 1 Go 8 avec un GPU de 660 MHz et 1 Go de RAM. On a une batterie de 5000 mAh. Alors, ils annoncent à peu près 5 heures d'autonomie. Moi, je vous le dis tout de suite, ça dépend ce que vous faites tourner avec, hein, parce que fait pas forcément 5 heures. Après, l'autonomie est très correcte, donc, mais ce sera pas forcément 5 heures. Sur la version que vous avez là, on a CrossMix OS, et moi c'est la version que je vous conseille de prendre sur le site. Il y a une version, soit vous prenez la version nue, elle est à une soixantaine d'euros, vous verrez sur le site, mais et vous avez déjà une micro SD assez costaud chez vous, et donc vous pouvez la faire vous-même. Soit après vous avez une version 64, 128 ou 256, ou alors vous avez cette version 128 avec CrossMix OS. Moi, je vous conseille de prendre celle-là parce que CrossMix a ajouté des choses. Notamment, maintenant, il y a un scrapper. Il y a la possibilité de faire des mises à jour directement au TG en ligne. Il y a... alors qu'avant, il fallait mettre des fichiers sur la carte SD, machin. Et il y a une application, un logiciel pour streamer vos jeux Steam sur la machine. Alors après... il y aurait moyen, je pense, de streamer aussi d'autres applications. Moi, je suis pas allé plus loin que Steam, mais de ce que j'ai pu voir, si on installe la même application sur PC, il y a moyen de faire des réglages, de pousser le truc encore un peu et d'aller un peu plus loin que simplement Steam. Moi, j'ai vraiment fait le truc basique avec l'adresse IP et j'ai rentré mon truc Steam. Voilà, je suis pas allé plus loin, mais je vais vous montrer, en tout cas, que ça fonctionne. Donc, on va aller faire un petit tour dans les menus, mais il faut que je déplace le micro. On va essayer de pas tout casser. J'espère que je vous ai pas pété les oreilles en le déplaçant. Je fais un peu comme je peux là. Pour être assis en face et en même temps de pas tout péter. Donc on arrive sur un menu qui est totalement personnalisable avec des thèmes qui sont ici. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a. Voilà, vous voyez, il y en a quand même une bonne liste de thèmes personnalisables. On a ensuite... je vais vous montrer autre chose pendant qu'on y est. Quand vous allez dans Information Système, ici, vous voyez que la fréquence du GPU est à 1200 sur 2000, en gros. Donc, ils disent 1 giga 8, là, ils disent 2000, bon. On est à 1200. Pour ça,
En fait, il faut aller dans les applications. Là, vous avez System Tools. Vous allez là-dedans. Et vous allez dans Tools, encore une fois, CPU Max. Et ça, faut le faire à chaque fois. Et là, quand vous retournez dans les paramètres et dans Information Système, maintenant, vous êtes à 1992 sur 2000. En fait, c'est un truc pour overclocker un petit peu le processeur. Je vais pas vous mentir, j'ai pas trop vu la différence en termes de perf. Mais ça a le mérite d'être là. Alors, il y a du jeu en réseau aussi, il y a du netplay quand vous avez une deuxième console, j'ai pas pu tester. Vous voyez qu'il y a des LED aussi autour des joysticks. Je vous en ai pas parlé avant. Mais ces LED, elles changent de couleur selon le système qu'on utilise, mais c'est personnalisable. En dessous, vous avez une prise de recharge. Il y a un port ici, en fait, qui n'existe pas. Je sais pas, attendez, la caméra fait pas le point. Je sais pas trop à quoi il aurait pu servir. Il y a le port micro SD, la caméra veut toujours pas faire le point. Il y a la prise jack et il y a un bouton de fonction qu'on peut personnaliser, donc soit pour allumer et éteindre les LED, soit pour mettre en fonction les vibrations ou non, soit pour justement ce mode boost, soit c'est vous qui choisissez. Il y a au-dessus le bouton power, le bouton volume et un autre port USB OTG. Vous avez LR et L2 R2. D'ailleurs, L2 R2, les gâchettes, elles sont petit défaut pour moi d'ergonomie. Elles sont trop fines, vous voyez là. Et en fait, je trouve qu'on n'est pas bien dessus, on n'a pas bien le doigt dessus et tout. Et elles auraient mérité d'être un peu plus grandes, elles sont pas super confortables. On a deux petits haut-parleurs à l'avant. Là, vous avez le logo qui s'illumine, il y a des choses que vous pouvez mettre dessus, personnaliser, sinon ça s'allume quand vous la chargez. Vous avez le bouton menu, Select, Start, les quatre boutons là, vous connaissez. Et donc, on a Moonlight, comme je vous disais. Je vous montrerai ça après pour faire du stream. Et vous avez un scrapper ici, en fait. Il vous suffit de l'ouvrir, de choisir votre dossier. Donc par exemple, après je les ai tous faits, mais je crois que la Saturne je l'ai pas fait, il me semble. La Saturne, il n'y a qu'un jeu, mais de toute façon ça tourne pas bien, donc j'en ai pas rajouté, mais il n'est pas scrappé, je crois. Et donc là il cherche, et là ça y est, il a scrappé le jeu. Vous faites menu pour sortir. Il y a un menu de sélection aussi au départ, avec les jeux. Vous avez les jeux en mode tâté, c'est-à-dire quand on tient la console comme ça, et voilà, donc à la verticale, tous les jeux en mode tâté sont là. Voilà, vous avez une collection Mario, une collection Sonic, Tortue Ninja, machin. Bon, c'est une petite sélection comme ça. On va aller dans les consoles. Donc on va aller chercher la Saturn. Ça vous permet comme ça de voir en même temps tout ce qu'il y a. Je sais même plus où elle est. Elle est là. Et donc voilà, maintenant vous voyez, le jeu il est scrappé. Il y a sa pochette. Ça aussi on peut choisir d'avoir une pochette en 3D, une pochette en 2D comme ça, une petite pochette plus une image du jeu, etc. Moi j'ai laissé la pochette 2D classique. Ça me suffit pour voir où j'en suis en fait, où j'en suis dans mon menu et quel jeu me tombe sous les yeux. Alors, la carte SD, elle arrive blindée. Moi, j'ai changé les ROM Game Boy, Game Boy Advance, Mega Drive, Super NES, Dreamcast. Je crois que c'est tout ce que j'ai changé, mais c'est déjà beaucoup. Parce que c'est des ROM US, donc sur toutes ces consoles-là, j'ai essayé de mettre un maximum de ROM européennes. Mais vous voyez, on a du CPS 1, 2 et 3, Coleco, il y a des trucs, il y a même de la DS, il y a des trucs... que je connais pas très bien, TurboGrafx, tout ça, c'est des choses que j'ai jamais eu entre les mains en vrai, mais que je connais. Il y a même du Virtual Boy, mais il y a des choses... La Supervision, j'en ai déjà vu une en vrai. Ça, j'en ai eu une, je l'ai eu. Open Board, je connais, on dirait une manette à l'époque sur la Wii. Il y a de la Neo Geo, de la PS1, de la Lynx. Et ce qu'on va faire, c'est que pendant qu'on est là, on va tout de suite aller regarder. Je vais vous montrer tout de suite Moonlight. Alors après, je vous l'ai dit, j'ai mon PC qui tourne à côté. Hein, donc c'est pour ça que vous entendez peut-être le ventilo. Mon niveau, hein, ne vous attendez pas à un niveau de fou, parce que là, je suis dans une position qui est quand même pas très confortable pour jouer. Mais je vais vous montrer tout de suite.
Oui, on a vu mon bureau. Alors là, on entend l'autre qui tourne de l'autre côté, qui s'énerve tout seul. Qui a démarré. Je vais vous montrer, voilà. Et là, en fait, je suis sur Steam Big Picture. Donc on est sur Steam, là. On va regarder, ce serait bien de regarder un jeu qui est installé, déjà. Parce qu'il me propose des trucs. Et donc là, par exemple, si je veux lancer Tryout, je sais qu'il est installé. C'est pas ça, c'est ça. Je peux faire jouer. Et donc là, le jeu va se lancer sur la console, en stream, bien sûr. Hein. C'est pas la console qui le fait tourner nativement. Normalement, il va se lancer, hein, vous inquiétez pas, voilà. Donc là, il se lance. J'ai l'impression, au vu de ce qu'il y a sur mon écran de PC à côté, que c'est du 720p. Mais vu que l'écran, là, c'est ce qu'il fait, bah... Ça suffit largement. On va lancer un petit peu le jeu, on va regarder. On va regarder ce que ça donne. Hop, démarrer. Pourquoi j'ai plus de curseur? Où est-ce qu'il est mon curseur? Bon, c'est moi qui suis un peu perdu là, attendez. Je ne sais pas pourquoi j'ai plus de curseur. Et je peux plus démarrer. Bon, en tout cas, vous voyez qu'on stream... On stream le jeu, maintenant là, ça a merdé de la même manière sur mon PC là. J'ai plus de curseur à l'écran, donc je peux plus sélectionner dans le menu, je sais pas pourquoi. Hein. Donc je pense que là c'est pas, vous voyez, c'est pas le stream il marche très bien. Hein. Par contre on ouvre 10 000 trucs à la fois. Hop, on va fermer tout ça. Donc vous voyez qu'on peut, on peut streamer en big picture, ça s'est pas passé exactement comme je voulais. Mais ça marche. En tout cas, vous voyez. On va quitter tout de suite. Je me gourde de boutons aussi parce qu'en fait dans l'interface c'est là pour valider. Et là, c'est plus ce bouton là. Mais bon, voilà. Là, vous êtes sur votre PC, en gros. Et vous streamez en Steam Big Picture. Bon, j'aurais bien aimé vous montrer le jeu directement. Mais sinon, je vais faire une petite coupure. Et puis, je vous remontrerai ça à la fin. Voilà, donc ça, c'est Moonlight. Il y a un Media Player, j'ai pas essayé. Vous pouvez accéder directement à RetroArch ici. Là, j'ai carrément éteint mon PC de là. En fait, de la console. J'ai pas juste fermé Steam Big Picture, j'ai carrément éteint mon PC. Il y a quelque chose aussi que j'ai remarqué avec cette console. Je l'ai pas beaucoup entendu dans d'autres tests. Je trouve qu'elle chauffe pas mal quand on joue à de la PS1. De la N64, de la Dreamcast, enfin les trucs qui l'amènent vraiment à tourner fort, quoi. Elle chauffe beaucoup à ce niveau-là, à l'arrière, là. C'est quelque chose qu'il faut noter. Maintenant, on en vient, je vous aurais incrusté des gameplays en même temps, on en vient à peu près à ce que la console peut faire. Et la console, on va dire, bah, tout ce qui est évidemment. Tout ce qui est sur cette page là, ça tourne parfaitement. J'ai pas tout essayé, mais tout ce qui est 8 bits, 16 bits, évidemment ça marche. Les CPS, ça marche parfaitement. L'ADS, ça fonctionne. Après, il y a des jeux où forcément il y a besoin de l'écran tactile, donc avec une gâchette, on peut simuler un curseur et tout. Mais bon, c'est vrai que c'est pas aussi pratique, mais ça fonctionne, ça tourne.
la Mega Drive, la GBA et tout, il n'y a aucun problème. En plus, à chaque fois, il y a des bezels et tout. Enfin, c'est... Vous le verrez dans les captures, c'est bien fait. La N64, alors les jeux, quelques jeux que j'ai essayé, ça fonctionne. Après, j'en ai eu le Star Fox, par exemple. Il y a des baisses de framerate à certains moments, mais je me demande bien si ce jeu-là, en vrai, il fallait pas l'expansion pack sur la N64 pour y jouer. Donc je me dis, c'est peut-être parce que c'est un jeu qui demande l'expansion pack et que ça commence, on arrive à la limite. Mais en tout cas, sinon Mario 64, tout ça, ça marche. Pour ce qui est de la PSP, là, on atteint les limites, en fait. Je pense que vraiment, les limites de cette machine, c'est Dreamcast, PSP. La Dreamcast, il y a des jeux, genre Power Stone, Rayman 2, des jeux Star Wars Racer, des jeux qui sont sortis aussi pour Star Wars Racer et Rayman, qui étaient aussi sortis sur PS1, N64 et tout, qui sont des jeux juste, entre guillemets, améliorés sur Dreamcast. Ils tournent nickel. Par contre, un Sonic Adventure 2 ou Sonic Adventure, on est entre 20 et 30 FPS. C'est là qu'on commence à voir les limites. Et la PSP, c'est mort. La PSP, je vous mettrai un ou deux extraits. Même à Tekken 6 et tout, ça tourne à 20 FPS, 20-25. Voilà, le God of War, c'est pareil, c'est du 20, c'est pas la peine. Il va falloir mettre un peu plus d'argent si vous voulez jouer à de la PSP, de la Dreamcast, en vous posant pas de questions. La Dreamcast, je vous dis, il y a des jeux qui marchent très bien, il y en a d'autres moins bien. La PSP, bah ouais, c'est mort, on arrive aux limites. La PS1, ça tourne nickel, upscalé en 720p, tout ce que vous voulez, ça tourne nickel, et ça donne franchement, sur un écran comme ça, ça donne même des trucs plutôt jolis, on va dire, ça pique moins les yeux que d'y jouer sur un grand écran aujourd'hui. Mais non, clairement, si vous voulez jouer à de la PSP ou de la Dreamcast sans vous poser de questions, il va falloir aller taper de la Retroid Pocket 3 ou 4, même si vraiment vous avez du budget. Mais c'est pas les mêmes prix. Après, une Retroid Pocket 3 aujourd'hui, elle est pas beaucoup plus chère que cette version. Si vous prenez la même carte que moi avec CrossMix OS, ou si vous prenez à 256 Go, il n'y a pas une énorme différence de tarif. Maintenant, ce qu'il faut savoir avec les Retroid Pocket, c'est que quand elles arrivent, il n'y a rien dessus, rien n'est configuré, c'est pas du clé en main comme celle-là, il va falloir bosser un peu, donc c'est à vous de voir ce que vous voulez. Maintenant, cette console-là, si vous avez déjà une micro SD chez vous, que vous êtes un petit peu bricoleur, faire une image avec un cross-mix dessus, tout ça, c'est pas compliqué. Il y a plein de tutos sur Internet. Je vous dis, c'est 60 ou 70 balles, vous pouvez la commander sans carte SD. Et vous faites votre truc vous-même, et vous prenez vos ROM vous-même, et voilà. Et genre à 60, 70 balles, vous avez la machine. Maintenant, je vais vous montrer aussi un petit accessoire que Mec DIY m'a aussi glissé dans la boîte. Alors après, elle est livrée avec un câble USB, évidemment, mais moi je vous conseille d'acheter ça avec. C'est la pochette de transport, mais c'est une vraie coque, vous voyez, et sur le dessus pareil, en termes de finition, de qualité et tout, on dirait vraiment un truc Switch. J'en ai une là-bas, ça y ressemble quand même vraiment. C'est adapté à cette console là En fait, je les remercie d'autant plus qu'ils me l'ont glissé dans le colis avec la console, alors que c'était pas prévu. Moi, à la base, quand ils m'ont dit « on t'envoie cette console », j'ai juste demandé à mon contact là-bas « est-ce qu'il y a des pochettes de transport pour ce modèle-là » Parce que celle-là, elle n'est pas comme la XXSP de la dernière fois. Elle se replie pas, donc l'écran n'est pas protégé et tout. Et puis, en bernique, souvent, ils fournissent un verre trempé avec. Là, c'est pas le cas. Donc, j'ai juste dit « est-ce que vous avez ça ? Est-ce que vous avez ça ?» Et je le commande de mon côté. Et j'ai reçu un mail après en me disant « Écoute, le colis, il est prêt. Je t'ai glissé une pochette de transport dedans. Ne la commande pas, t'inquiète pas, je te l'ai mise dedans. » Voilà, donc, je les remercie d'autant plus. Ça vaut, je crois que c'est 13€. Vous allez avoir un code promo dans la description de 16% et un lien pour aller acheter la console. Sachez que c'est pas un lien d'affiliation. Je ne touche rien si vous passez par ce lien-là. C'est pas comme les liens Amazon, machin. Je touche pas un centime sur ce lien. C'est pas un lien d'affiliation. Il y a un code promo, du coup, que je vous mets en description, de 16% si la machine vous intéresse. Et sinon, je vous laisse aller regarder ce qu'ils ont en stock chez Ambernic ou d'autres, parce qu'ils ont d'autres machines. Allez jeter aussi un coup d'œil à Retroid Pocket si vous voulez aller un peu plus haut dans l'émulation. Moi, je ne sais pas ce que je testerai par la suite. Je ne sais pas s'ils m'enverront encore d'autres choses.
Si c'est le cas, je vous avoue que j'aimerais bien tester une console sous Android. C'est un peu moins clé en main et un peu moins simple que ça à configurer. Mais très souvent, en termes de puissance, on est vraiment 2-3 crans au-dessus. Et on pourrait faire tourner de la PSP tranquille, faire tourner de la Dreamcast tranquille, et pourquoi pas aller vers de la PS2, peut-être de la GameCube. Et c'est ça que j'aimerais bien voir sur les prochaines machines. Maintenant, on verra bien ce qu'ils me proposeront, s'ils me proposent autre chose. En tout cas, pour l'instant, cette console, moi, pour le prix, écoutez, je peux vous la conseiller. Maintenant, ce que je vous disais par rapport à l'écran, c'est que je vois pas l'intérêt de mettre un écran 720p. Alors, en termes de qualité, il est très bien de mettre un écran 720p sur une machine avec ce hardware qui ne va pas l'exploiter, en fait. Ils auraient mis un 640x480 comme le fait en Bernic, ils auraient pu en trouver un pareil avec une belle colorimétrie et de très bonne qualité. Peut-être ça leur aurait coûté moins cher et ça aurait été un peu plus équilibré et adapté à ce que fait ce hardware, à ce que peut faire ce hardware. Maintenant, ils ont fait ce choix-là. Je ne sais pas pourquoi. Il y a aussi le petit problème des gâchettes que je trouve pas très confortable et un petit peu limite en termes de taille. Maintenant, encore une fois, par rapport aux jeux qui tournent dessus, les gâchettes, on va pas les utiliser énormément. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne machine. Moins limitée que la 35XXSP, pardon, parce que là, bah, du coup, on a les joysticks. Donc, pour les jeux qui demandent des joysticks, on a des vrais joysticks. Donc, écoutez, pourquoi pas. Si c'est quelque chose qui ne vous dérange pas de ne pas pouvoir aller plus haut que la Dreamcast, pour faire vos jeux 8 bits, 16 bits et 32 bits, c'est une console nickel. Hein. Donc, moi, je vous la conseille pour ça. Voilà. Après, si vous voulez faire plus, non, va falloir taper dans quelque chose de plus cher. Je vous remercie, je vous dis à la prochaine, salut à toutes et à tous.